Good morning, allez, Yiden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak, Ben David, Ben Purk, Ben Mazel Frina et Dvora, Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Massechet Ktuvot, Perekret Mishnah Zain, Iniach Achiv Ma'ot Ilakach Ben Karka, Vehu Ochel Perot. Perot Atlushin Mina Karka, Ilakach Ben Karka, Vehu Ochel Perot. Hamechubarim Bakarka, Amar Rabbi Meir. Chamin otam kama en yafin be perot, ve kama en yafin be lo perot, ve amotar en agach ben karka, ve ochel perot vachachamim omrim perot amechobarim bakarka shelo, vatlushim min akarka, kol hakodem zacha bahen, kadam hu zacha, kadma hi ilakach ben karka, ve ochel perot. Knasa, are ike ishto lechol davar, ubilvad shetek tubata, al nirse, ba'ala arishon. On continue à parler de la Yevama, de la Yevama. Soit, on a déjà introduit bien dans la Mishnah précédente, on va répéter les points essentiels qui nous concernent. On ne va plus entrer dans Irsé Mila ou sur le Barzel, ça ne nous concerne plus. Mais par contre, un point très important, c'est de comprendre que la Ktouba que le Yevam doit payer, il doit la payer à partir des biens du frère et pas de lui. Soit, moi je me suis marié avec une femme. J'ai engagé tous mes biens. En cas de divorce ou de décès, qu'elle ait une certaine somme pour pouvoir continuer sa vie sans mari. D'accord? Ça, c'est la Ktouba. Tous mes biens, ils sont tous engagés. D'accord? Pour le Yavam, c'est différent. On a Reuven et Shimon. Reuven était marié à Rachel. Lorsqu'il s'est marié avec Rachel, il s'est engagé de lui payer une certaine Ktouba. Reuven décède sans enfant. D'abord, il a plein de biens à Reuven. Qui hérite? En théorie, c'est tous les frères de Reuven. Mais lorsqu'il a signé Yavama, et qu'il va y avoir un Yavam qui va prendre cette femme, donc Shimon en l'occurrence, c'est lui qui va la prendre, c'est lui seul qui va hériter de tous les biens de Reuven. Et pour payer la Ktouva maintenant de sa femme, il ne va pas s'engager de ses propres biens, mais il va s'engager de payer des biens que Reuven a laissés. Soit Reuven a laissé deux appartements à Jérusalem, ces deux biens, ils seront engagés pour payer la Ktouva de Rachel. Mais si, et même si Shimon après il avait 5 appartements à Tel Aviv, Nathaniel Haïfa, ces biens-là, ils ne sont pas engagés. Ça implique quoi d'abord, est-ce qu'ils sont engagés ou pas engagés? Ça implique qu'il peut décider de les vendre, de récupérer l'argent pour aller investir, les mettre dans la bourse, ce que vous voulez. Alors que si les biens ne sont pas engagés, ils sont engagés, il n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec. Il peut maximum vendre pour acheter tout de suite un autre bien, pour qu'il ah ouais d'accord, c'est comme une mashkanta, je ne sais pas l'enseigner en français, il y a une garantie de... Une garantie sur les biens immobiliers. Ils sont engagés pour payer l'actua de la femme. Et la femme, elle met son veto. Et en fait, dans toute notre Mishnah, on va justement parler de ça. Comment, quel type de biens sont-ils engagés pour l'actua de la femme? Étant donné que la femme, là, vous comprenez bien qu'on a envie d'avoir le maximum de mashkon, imaginez, vous me prêtez 100 000 euros. D'accord? Et en contrepartie, je vais vous écrire une Eara Tazara où je vais m'engager pour vous. Mettre mes machines pour mettre en garantie mes biens. C'est sympathique que je vous laisse une garantie sur ma maison. Mais si oui, j'ai 5 maisons, ça vous serez plus intéressé à avoir 5 maisons que je vous engage. Comme ça, même si celle-ci, elle brûle, il y en aura une autre, où vous pourrez récupérer votre argent. Et même si l'autre, elle s'effondre, il reste encore une autre. D'accord? On a envie d'avoir le maximum de garanties quand on engage. On a de l'argent, on n'a pas envie que notre argent il se dissipe. D'accord? Ça, c'est de manière générale. De ce fait, maintenant, on va s'intéresser à une finesse. Reuven décède, il laisse des biens, mais il laisse aussi des métal-télim. Alors, lorsque son frère Shimon, il va se marier, il va prendre la Yevama, il va prendre Rachel, il va se marier avec elle, on a dit les biens de Reuven sont engagés. Maintenant, ils sont engagés, mais pour le moment, ils vont être à disposition de Shimon pour qu'il les exploite. Et là, lorsqu'ils vont être à disposition de Shimon, Shimon va pouvoir les exploiter, et tous les fruits qu'il va manger, ça appartiendra à Shimon. Il laisse le capital à disposition pour payer la Ktouba de Rachel, en cas de problème, mais il exploite les biens, donc il va acheter. Alors maintenant, on va s'intéresser maintenant à quelques petites finesses. On va se retrouver dans la même marque-loquette qu'on avait appris plus haut avec le mari, et l'histoire des fruits qui sont pour le moment plantés, qui sont pas encore arrivés au point de les cueillir. De manière générale, on va directement lire la Mishnah, c'est un peu vite maintenant, vous avez déjà assez compris le principe de la Mishnah. Il n'y a rachiv maot. Son frère, il a laissé des biens, de l'argent. Alors la Mishnah me dit, écoute, il n'a pas laissé de biens immobiliers, mais il a laissé 100 000 euros en liquide sur des comptes en banque. Donc quoi?
Shimon, il hérite de ses 100 000 euros. Peut-être qu'il peut les prendre et faire ce qu'il veut avec. Pas du tout. Il a car, ben karka, il devra acheter un terrain avec cet argent. Ve'u ochel perot, et il mangera les fruits qui sortiront de ce karka, de ce bien immobilier. Tandis que le bien immobilier, il reste présent pour pouvoir, quand il y a de problème, qu'il puisse payer la dette, la dot à Rachel. Ça y est, va. Ok? Même principe. Perot atlushim minakarka. Si le frère, il avait un champ. Il a laissé le champ, bravo, le verger avec tous les arbres dedans, ils sont encore présents. Mais à part ça, il avait déjà cueilli 5 tonnes de pommes, une valeur de 50 000 euros. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le frère, il a le droit maintenant, ça y est, il a laissé un terrain. Peut-être qu'il aura le droit aussi d'en profiter, de manger les fruits, pas du tout. Tu vends les fruits, tu récupères l'argent, tu achètes un deuxième terrain et tu laisses le terrain à disposition. Parce que les biens mobiliers que tu hérites, ils sont, que tu hérites de ton frère, quand il veut faire le bon à sa femme, c'est par là qu'elle devra en théorie payer, qui devra en théorie payer la touba en cas de problème. La femme, la Yevama, elle impose que maintenant, qu'on prenne un bien immobilier et que comme ça, elle peut mettre en gage le bien immobilier. Parce que si tu vas commencer à vouloir manger des pommes et que tu dois, parce que au cas où, vous imaginez, elle ne va jamais voir la couleur de l'argent, les biens immobiliers, c'est sans arrêt, ça bouge sans arrêt. Ok? Donc, Perot Atlushim Minakarka, c'est laisser des pommes, des fruits qui sont déjà coupés du sol, eh bien, Ilakar Ben Karka Ve'u Ochel Perot. Il faudra acheter avec eux un bien immobilier, un terrain, Ve'u Ochel Perot, qu'il exploitera pour que lui mangera les fruits. Hamirchubarim Bakarka, maintenant, il a laissé des biens, il a laissé, le camp Rouven, il est décédé. Il a laissé un verger où il y avait dedans, en potentiel, en capital, entre le terrain et les pommiers qui sont plantés dedans, les poiriers qui sont plantés, il y a une valeur de 200 000, mais à part ça, il y a dedans des fruits qui ne sont pas encore arrivés à point, ils ne sont pas encore consommables, mais il y a déjà pour une valeur de 20 000 euros pour le moment. Ils sont là, mais on ne peut pas encore les consommer. Il faudra ensuite patienter 3 mois pour qu'ensuite on va en tirer de là 40 000 euros, 50 000 euros, une fois qu'ils vont finir de pousser, qu'ensuite on va pouvoir les vendre, si la production elle va être bonne, il va y avoir 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les 50 000 qu'on va vendre les fruits. Qu'est-ce qu'on fait avec les 20 000 qui étaient déjà là au moment du décès? On a la même marcoquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir va me dire, ben écoute, les 20 000, ça fait partie du capital, quand tu vas vendre des fruits, tu prends parmi les 50 000 que tu récupères, tu prends 20 000, tu achètes un terrain supplémentaire et tu prends les fruits de là-bas, mais tu les laisses à disposition de la femme. Parce qu'au moment où tu prends la femme, ou alors là, c'est à ce moment-là où tous les biens qui appartiennent au mari, sont tous engagés pour payer la ktouba, et même les biens mobiliers, qui sont encore, qui sont censés être des fruits plus tard, mais pour le moment ils font partie du capital, ça appartient au mari. D'accord? C'est clair? Amar Rabbi Meir, donc à Perot à Mechoubarim Bakarka, les biens qui sont les fruits qui sont encore fixés au sol. Amar Rabbi Meir, nous me dit Rabbi Meir, Shamin Otam, on va les évaluer. Kama hen yafin be Perot, et Kama hen yafin be Perot. On va faire une évaluation du terrain avec les pommiers et avec, on veut ça, les pommes qui sont en train de pousser. Alors on va dire un terrain pareil avec 100 pommiers qui sont en train de qui ont un potentiel de donner des fruits, il y a pour une valeur de 200 000. À part ça, il y a maintenant des fruits que, puisqu'ils ont déjà commencé à pousser dessus, il y a pour une valeur de 20 000. Si tu devais vendre le verger tout de suite, tu le vendras 220 000. Sur cette différence-là des 20 000 supplémentaires, c'est ce qu'on appelle le motard, le supplément, la motard et la carte Ben Karka. Il faudra acheter avec eux un terrain, et où Ochel Perot. Et lui consommera il mangera les fruits du terrain qu'on achètera. Soit, je répète encore une fois, c'est ce qu'on a dit, de nouveau, le terrain avec les pommiers, ça coûte 200 000. Le fait que maintenant les pommiers, ils sont en train de donner des fruits, ça fait un supplément de 20 000, mais c'est pas encore exploitable, on ne peut pas encore les exploiter concrètement, ils vont encore attendre qu'ils finissent de pousser. Et à la fin, ça fera 50 000, tu prends parmi les 50 000 supplémentaires, tu tires 20 000, tu achètes un terrain et tu tires les perrots de là-bas. Ok? Voilà pour l'avis de Rabbi Meir. Maintenant, Chachamim, ils vont avoir une double discussion. Une chose simple et une chose un peu plus compliquée. On va d'abord traduire. Chachamim me disent non, Perot Amechoubarim Bakarka, Shelo. Ça, on encaisse facilement. Chachamim, c'est comme les Chachamim qu'on avait vu plus haut. Ils me disent non,
Le terrain avec les pommiers, c'est 200 000. Les fruits qui ont commencé à pousser, tu ne les mets pas sur le compte du capital, tu les laisses sur le compte des fruits. Et le mari, le Yavam, il pourra manger les fruits s'il veut. Et ils ne sont pas engagés par la Ktouva. C'est un principe qu'on avait vu dans le Mishnah d'en haut, on avait vu plusieurs avis comme ça. Donc, d'accord. Mais alors là, attention, c'est là où ça va devenir un petit peu. C'est pas compliqué, mais on va devoir changer un petit peu de données qu'on a évoquées. Par contre, les fruits qui sont touchés, qui ont déjà été cueillis, alors le premier qui vient les saisir, kolakodem, tout celui qui va devancer l'autre, zahabaen, c'est lui qui va les prendre. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Kadamo, zahab. Si c'est le frère Shimon qui est vite venu les prendre, c'est pour lui, zahab. Kadmaï, si elle s'est dépêchée d'aller les chercher, il a kar ben kar kar, le ochel perot, et alors il faudra qu'elle remette à disposition du mari, du Yavam, pour qu'on achète un terrain avec ça, et que le mari, et que Shimon mangera les fruits. Bon, on a à peu près rien compris, c'est normal, il nous manque une donnée de base pour comprendre ce qu'il. On a expliqué que lorsque le mari décède, lorsque Réhouven décède, tous les biens de Réhouven, ils sont tous à disposition pour qu'il paye de la Ktouba. Alors, et là, il va falloir expliquer un petit peu mieux. Il y a des biens mobiliers et des biens immobiliers. Les biens immobiliers, c'est vrai, ils sont tous à disposition de. Ils sont tous. Ils sont tous engagés pour payer la Ktouba de Rachel. Mais en fait, il y a une petite finesse sur les biens mobiliers. De manière générale, métal-télé, l'eau, michtabdé. Les biens mobiliers ne sont pas engagés pour payer les dettes. C'est assez complexe, mais les biens immobiliers, il y a une logique forte à ça. Ouais, que les biens immobiliers, ils sont fixes, les gens se fondent sur eux, que si en cas de problème, je récupère ton argent. Mais que en cas de problème, que je récupère des biens immobiliers, que tu vas me vendre ta montre, tu peux la vendre demain à quelqu'un. C'est que les biens immobiliers, ils sont censés être en mouvement. On ne peut pas les fixer pour les engager en dette. D'accord? On ne peut pas les engager pour les dettes. En l'occurrence, Chachamim, il pense que lorsque le mari décède, c'est vrai que les biens de Réhouven, ils sont engagés pour payer la Ktouba de Rachel, mais quels biens? Que les biens immobiliers. Les biens mobiliers ne sont pas engagés pour payer la dette. Donc forcément, au moment où il va décéder, son frère, Shimon, il va directement, son frère Shimon, il va hériter déjà de tous ses biens mobiliers. Parce que c'est lui l'héritier. Ça lui appartient. D'accord? Ils ne sont pas engagés pour la Ktouba. Pour qu'ils puissent être engagés, parce que les biens mobiliers ne sont pas engagés. Rabbi Meir, le premier rabbi de la Mishnah, il pensait que les biens mobiliers sont engagés, on se fonde même sur les biens mobiliers pour que la Ktouba, entre parenthèses, la halakha est retenue comme ça. Pas parce qu'on pense comme Rabbi Meir, parce qu'il y a une takana d'Egonim plus tard, que même les biens mobiliers sont engagés pour payer la Ktouba. D'accord? On va faire la parenthèse, on revient sur ça. Mais Rabbi, il pense que les biens mobiliers ne sont pas engagés pour la Ktouba. S'ils ne sont pas engagés pour la Ktouba, ça veut dire quoi? Ça signifie que maintenant, lorsque Réhouven décède, eh ben, on va pas, ils ne sont pas prévus pour payer la Ktouba, eux. Donc, Shimon, il va hériter de tous ses biens, et ils ne sont pas engagés pour la Ktouba. Si Rachel, elle a envie, elle veut, elle souhaite veiller à assurer qu'il y ait de quoi se faire payer sa Ktouba en cas de problème, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, avant, je précise directement comme le partenaire l'explique, elle doit, avant que son mari décède, pendant qu'il est agonisant à l'hôpital, le pauvre, elle doit vite courir là-bas dans le champ et acquérir tous les biens mobiliers, et dire, tous ces biens mobiliers, je les garde pour me faire payer ma Ktouba. Là, puisqu'elle a pris ce qu'on appelle elle a pris la Ktouba Mechaim, du vivant de son mari, elle a saisi des biens immobiliers pour qu'elle ait un potentiel de Ktouba ici. Dans ce cas-là, elle a réussi à figer son gage, à les engager pour elle. Et après, on va dire à son mari, alors, on va dire à Shimon, maintenant le Yavam, écoute, maintenant, ces biens-là sont engagés pour la Ktouba, puisqu'elle a déjà fait un kinyan dessus, elle les a acquis. Et dans ce cas-là, tu devras les prendre. Acheter avec ça un terrain et manger les fruits. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'a dit en fait. Que à Tlouchim, la carta, les fruits qui sont déjà détachés du sol, qui ont déjà été cueillis, eh bien, Kolakodem Zacha Ben, tout celui qui va devancer, il va les acquérir. Que Kadamhu Zacha, si c'est lui qui a devancé, que la femme n'a pas le temps de venir les chercher, que lui les a déjà pris, ça lui appartient. Mais Kadmaï, et si elle a devancé, comme on a dit, qu'elle a devancé avant le décès du mari, elle est venue vite les saisir. Alors, il a Karben Karka, il faudra ensuite acquérir un terrain, Behu Ochel Perot, et lui mangera ensuite les fruits de ce terrain qu'il achètera. Knasa,
Maintenant, ça y est, on va parler d'autre chose. On a parlé de la Shomeret Yavam, que pour le moment elle est encore en attente. La Mishnah vient de m'apprendre le nom de Balalacha, qu'on expliquera beaucoup plus dans la prochaine Mishnah. Knasa, Arik et Ishto Lechodavar. Tout, de manière générale, tout Yevama, avant qu'on la marie, elle a un statut spécial. Mais dès qu'on la marie, elle devient la femme à part entière de Shimon. Et que quoi? Ça devient sa femme à part entière, ça veut dire qu'ensuite Shimon pourra la divorcer, la remarier. C'est sa femme complètement, on ne dit plus que c'est une Yevama. D'accord? On avait déjà évoqué la problématique. La Yevama, en théorie, c'est la femme de son frère, c'est l'inceste. Et la Torah a dit, écoute, pour faire la mise à deux Yiboum, on lève l'inceste. Dès qu'il s'est marié avec elle, même si elle est divorcée pour la remarier, on ne dira pas que c'est elle, qu'elle a interdit à cause d'inceste. Avec quand même une différence avec une femme classique, c'est que au Bilmach et Dekhtuata, elle n'irse, bah là, elle est jaune. Sauf que la seule différence, c'est ce qu'on a dit, que la Ktuva que Shimon devra lui payer, il ne devra pas la payer de ses propres biens, mais il devra la payer des biens que son premier mari, que Reuven, avait laissé pour se faire payer la Ktuva. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sartre.